sauver sa vie on s'ennuie de lui. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu sa voix. Il y a longtemps qu'on n'a pas ri avec lui. Et il y a longtemps qu'on n'a pas dansé, mangé avec lui. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas fâché avec lui. C'est pour célébrer sa vie, pour se mettre un petit peu plus près de lui, parce que je connais, il est là. Un an passé pour le service, pour l'enterrement, après le service d'enterrement, il y a du monde qui est venu qui a demandé, there were many inquiries about where can we contribute? Did y'all start a fund for him? What can we do? How can we help? Didn't y'all start one yet? Well, on a travaillé pour un an là-dessus. Et un comité, Barry, Amanda, enfin plus Andy, Miller, beaucoup de monde était impliqué dedans. Et on a réussi à faire ça au mois de juillet, on a établi une fondation et après le film, on va vous donner de l'information là-dessus. Et pour mettre sa vie ensemble, le monde qui le connaissait, nous a connu qu'il vivait, il lived out loud, and he lived in French, en français. Ça, c'était Richard qui dit. Il a fait beaucoup de documentaires, et tous les documentaires, c'était en français. That's why they made documents on him. So, pour le monde qui ne parle pas français, we didn't subtitle him, because the clips that we chose, Richard spoke like, du tap-tap qui se lisait. Popcorn that was popping. So it would have been very hard to translate. There was a subtitle, everything he said. Et je vois que le monde qui est là ici aujourd'hui va tout comprendre. C'était comme prendre. Je veux remercier Charles Laroque, parce que Charles Laroque a fait une série. Je ne connais pas si vous le connaissez, mais je pense que la plupart du monde connaît Charles. Il a fait une série qui s'appelle. Une série de combien de textes de fraises.